Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Troisième jour, il est 8h tout pile. Je te dis bonjour un petit peu plus loin parce que là-haut il y a les tentes. Et Justin dort encore, donc histoire de pas le réveiller. Donc on a dormi ici, je te fais un petit tour du panorama. Un grand parc en fait où tu as des trucs d'escalade, des trucs pour grimper derrière. Autrement dire qu'on n'a pas été embêté. Il y a une petite usine ici de camion qui fait un petit peu de bruit, mais ça va. Moi de toute façon je suis un lefto. Donc, aujourd'hui, bonne nouvelle, on a Roland Calimero qui vient nous rencontrer. Donc, on va se croiser sur la route et on va avoir l'honneur de pouvoir manger chez lui. Donc, c'est cool, j'ai hâte de te rencontrer, Roland. Donc, allez, moi, je vais réveiller Justin et on est parti, go. On est à Serval et là on va rencontrer Roland. C'est parti. Bonjour les gars. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Bah oui. C'était pas vu hein. Non, c'était pas vu. Non. C'est ton frère. Oui, c'est mon frère, ouais. C'est ok, frère. D'accord. Bon bah voilà, génial. Belle petite rencontre avec Roland. Que des monsters en plus, des grosses baroudeuses, nickel. Donc bah là c'est parti, direction chez Roland, se reposer. Discuter de notre passion et puis grailler un petit truc, boire un petit café, enfin bref tout quoi. Allez, c'est parti. Ouais ben voilà, bien arrivé chez Roland. Du coup on a remis les bébêtes à charger. En plus la bonne nouvelle, il va sûrement nous accompagner cet après-midi jusqu'à Mulhouse. Donc on se pose tranquillou et puis je te reprends dès qu'on part. Let's go. Ok, merci les gars, au plaisir. Bah, merci à toi Roland, c'était un plaisir. Ouais. Allez. Ciao Roland. Merci pour tout. Hein. Allez, salut, ciao. Merci Roland. Bon, Roland nous a quittés du coup. Il est 19h. On a fait dans la journée 95 km, ce qui n'est pas beaucoup. Mais voilà, on a préféré prendre le temps, discuter avec Roland et tout. Et faut vraiment favoriser l'échange humain que le fait de tracer. Donc tant pis, c'est pas grave, on va rouler, on va arriver à Mulhouse. On va pas s'arrêter à Mulhouse parce que depuis Mulhouse jusqu'à Strasbourg, il y a un peu plus de 180 km. Sachant que Yannick n'habite pas à Strasbourg, mais il habite un petit peu plus loin d'après ce que j'ai compris. Du coup, on va rouler peut-être un petit peu de nuit ce soir. On va voir, donc je te retiens au jus. Allez, c'est parti, let's go. Un vent de fou, mais de face, hein. C'est un truc de malade. Hein. Et ça depuis ce matin, c'est un truc de fou. La consommation, laisse tomber quoi. Et c'est pas commun quand même, hein. Il a pas peur, rien. C'est pas un castor, c'est un ragondin parce qu'il a la queue ronde. Les castors ont la queue plate. Allez. Regardez-moi ça, comment il est beau. Allez, on va te laisser tranquille, va. Allez, c'est parti. Oh,
On est où, Justin? Je peux pas, bon. Putain, on est au McDo, les gars. Ouais. Que serait un road trip sans Allo McDo? Le repère, les diaboliques. Non, sans bague. Mon préféré des wheelers diaboliques. Mais à Mulhouse. Je t'avoue qu'on a la flemme à Mulhouse, c'est une grande ville, il fait nuit. Bon voilà, McDo, on avait faim, voilà, on recharge. On a fait 120 bornes, je pense qu'on va continuer un petit peu. Ouais. Peut-être 30, 40, 50, 50. 70, 80. Enfin bref, suffisamment pour être à l'heure demain. Bon bah écoute, on mange, on recharge les bécanes, les bonhommes aussi, et je te retrouve après. Bon, je te reprends après 2 heures de charge au McDo. Il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'ai Robin qui m'a contacté et qui m'a dit savoir où est-ce qu'on était, tout ça. Et je lui dis, bah écoute, on est à Mulhouse et lui il est à Colmar. Et il m'a dit, bah écoutez, si vous voulez, je peux vous héberger. Donc, bah écoute, nous ça nous arrange. On devait continuer à rouler, mais on savait pas où dormir. Du coup, direction Colmar, c'est à 50 km d'ici. Et on va dormir chez Robin et faire la connaissance de Robin. Ça c'est génial. Donc let's go, allez, c'est parti. Bon, et ben voilà les amis, bien arrivé à Colmar, dans les bureaux de Robin. Donc il nous a gentiment prêté ce bureau pour dormir à Colmar. Donc bah, Robin, tu regarderas cette vidéo, mille merci à toi. Donc on est super bien, on a tout un espace pour dormir en fait. Génial, tu nous as mis vraiment trop bien. Donc bah écoute, je vais te laisser là. Je te dis à demain. Et attention, demain va y avoir, donc on va retrouver tous les wheelers d'Alsace, les wheelers diaboliques, mon frère Alain, Francky. Enfin voilà, ça, je pense que ça va être une journée super bien. Donc j'ai vraiment hâte. Donc allez, je vous dis à demain. Ciao. Bonjour les amis, je te reprends après avoir passé donc la nuit dans les bureaux donc de Robin. Il est 14h30, alors non, je me suis pas levé à cette heure-ci. Tout simplement, on s'est levé sur les coups de 8h30-9h, on a déjeuné avec Robin. Et ensuite, il nous a emmené faire un petit tour donc de Colmar, on a même fait une dégustation de vin, enfin c'était superbe, génial. Et là donc, il nous accompagne donc jusqu'à Strasbourg pour rencontrer donc eh ben, les wheelers d'Alsace. Donc bah c'est parti jusqu'à Strasbourg, let's go! Bon, ce qui est marrant, c'est que là je fais que de faire biper la roue à Justin grâce à l'application EUC World et il sait pas ce qui se passe et c'est très très drôle. Je vais essayer de te faire écouter. Allez, on va dévoiler la blague à Justin. Voilà, parce que depuis tout à l'heure il cherche c'est quoi qui sonne. Donc allez. Justin! Ouais, c'est bien ce que je pensais! C'est bien ce que je pensais! Je m'en doutais que c'était toi! Voilà, petite blague, voilà! Bon, je te reprends. Un nouveau wheeler qui vient nous rejoindre. Damien, des wheelers d'Alsace, qui a fait la route pour nous rejoindre et nous raccompagner jusqu'à Strasbourg. Il est grand! Il est beau! Il est alsacien! Il s'appelle. Damien! Bien, t'as fait check. Bonne route. Ça va tranquille. La forme. Ouais, nickel. Yannick. Yannick. On est à la recherche de Yannick, vous avez vu Yannick? Ah, c'est parti.
Ouais, ben voilà les amis, bien arrivé, donc pas dans Strasbourg même. Donc on a retrouvé Yannick et aussi plusieurs wheelers. Donc c'est cool. Ensuite, nous on attend les copains qui sont encore sur la route, qui doivent venir aussi chez Yannick. Donc bah écoute, je pense qu'on va se mettre bien, on va boire l'apéro, poser la caméra, et puis je te retrouve sûrement ce soir, parce qu'il y a une petite nocturne ce soir organisée. Donc c'est parti. Salut. Oh bizarre. Hey. Ça va mon Francky? Ça va toi? Ça va moi là? Ouais. Bien. Ça va Bon ben voilà, je te reprends après avoir mangé avec tous les wheelers d'Alsace, c'était super cool. Attends, je vais me mettre à la lumière, tu vas me voir un petit peu mieux. La belle lumière orange. Et du coup là on va faire une petite nocturne. Je pense que je vais te laisser là parce que filmer la nuit ça va pas être très très intéressant pour toi. Donc du coup je te dis à demain, il y a une grosse journée organisée par les wheelers d'Alsace, j'ai hâte d'y être. Donc je te dis à demain, ciao.